Bam. Coucou YouTube. Alors le jeu arrive, voilà, le jeu est là. le jeu arrive, le jeu est là. Oui, quête. Oui, il nous reste littéralement un seul truc à faire. Terminer 32 quêtes annexes de relations. Ben il m'en reste. Ah bon? Il m'en reste deux? Comment ça, il m'en reste deux? Bah c'est peut-être celle-ci, elle est faite en deux fois. Allez! Ah si, il me reste, regardez! Il me reste une quête! Je dois retrouver le professeur Weasley dans son bureau dans la salle de métamorphose. Bon alors attends, déjà on va aller parler à Sébastien. Il est où, Sébastien? Oh, ça va, il est pas très loin. Voyager était incroyablement pénible. Ah, il est peut-être... Non, c'est bon. Il est peut-être chiant à accéder, mais en fait, ça va. Ah, non, c'est bon, on continue de descendre. De descendre, en fait. Hop là. Tout le monde se calme. J'aimerais bien revenir un jour près des cuisines. Ah, mais oui, il est à la crypte, je suis bête. Ah, donc en fait, ah, mais oui, bah, c'est super, ça va, c'est pas trop. Je crois que c'est pas trop loin. Ah, je vais y arriver, oui. C'est là-bas, la crypte. Je crois que c'est pas si loin que ça. C'est vrai quoi, j'aimerais bien revenir près des... Ah, j'aurais dû d'ailleurs voir les... Les cuisines durant différents événements. Approchez, les enfants. Nous allons produire pour le plus grand plaisir de vos oreilles. Ok. Oh! Une blague. Je l'ai faite celle-ci? Ah, oh! La vache! Nos emplacements d'équipement sont pleins. Oh là là! Sérieusement! C'est pas possible ça! Et couvre-chef aussi, j'ai vu que j'en avais plusieurs. Hop. Hop. Voilà. Merde. Et voilà. Voilà. Enlever tout ce qui est vert. Super. Violette, si tu arrives ici avant moi, rends-nous service et essaie de trouver plus d'hydromel, tu veux? Je crois que l'un des résidents du couloir du troisième étage possède un autre cadre. Quelque part, avec une bonne réserve. Oh! Lumos. Revelio. Il est où? Je peux le voir d'ici? Il est juste là. Il est juste ici. Voilà. Lumos. Ah non, c'est pas le même. Ah si, c'est le même. C'est bizarre cette toilette. Je suis déjà revenu ici. Ah, c'est les toilettes de sort. Non, elles sont pas genrées. Ah si. J'irai checker ça après. Je cherche... Ah mais, ah mais oui, c'est là. On cherche les toilettes de la salle des secrets. On a même la trouvé. Oh. C'est beau. Revelio. D'autres ici en particulier. Rien d'autre. C'était gentil ou méchant. Ah oui, je suis déjà venu. Oh, il y a des petits trucs à l'intérieur qui ont été oubliés par les devs. Ok, si qu'il y a un... Il y a un... Oh, regardez-moi ça. Oh, le délice. Et je parlais pas du gâteau. Oh, je te le lis. Incroyable. Bon, laissez-moi deviner, c'est à la mode chez les moldus, ça se voit tellement. Rebellio. Oh! Alors là, toilette hantée. Ces toilettes particulières seraient l'un des endroits préférés de Peeves. Pour faire des farces, il vaut mieux les éviter, à moins d'être dans une situation désespérée. Bon, je vais y entrer.
Elles sont hantées? Offer d'heure. Pas bien ici. Oh! Ah mais je suis déjà venu ici. Bon, je suis perdu. Moi, je suis complètement perdu. Moi. Qu'est-ce que ça fout là? Y a un panneau out of order? Ah oui, y en a. Je me pose une question. Attendez, j'ai envie d'aller checker un truc dans la collection. Non, pas dans les collections. Si, dans les collections. Tenue. Bon, ça, on s'en fout. Pas de tenue. Ah, il m'en manque encore. C'est fou. Il me manque encore. Exploration. Elle est belle, cette tenue. Rentre ici. Ensemble de serpents cendres. Elle est très stylée. Gant de botaniste en peau de, botaniste en peau de dragon. Ouf, pas. Ah, j'ai trouvé. C'est les pages de Revelio, ça? Oui. À Poudlard, elles sont là. Je me demande si j'avais pas justement chopé cette carte représentée. Angleshire, une région d'Écosse, dans laquelle se trouvent les Hébrides. La terre native du dragon noir des Hébrides, d'accord. Pas de soucis. Je me demandais si j'avais pas justement chopé une... Pff, tout ce qui nous manque en page de Revelio, c'est un truc de ouf, hein. C'est n'importe quoi. Si j'avais pas justement déjà trouvé une page de Revelio en lien avec des toilettes avec... je me rappelle d'un petit logo sur le côté d'un évier, de l'avoir vu justement. Oh là, il m'en reste plus qu'une. J'ai peut-être rêvé. Sage pur. Est-ce que c'est pas en rapport avec le fait que pour tourner le film, parce que ce couloir m'a fait penser à un truc, un petit background des films Harry Potter où il y avait un couloir dans lequel ils ont tourné qui a été rempli d'eau à un moment et que ça justement ça sentait pas bon, je crois. Je départ de bêtises. Voilà. Je crois que c'est un rapport à ça. Ou peut-être pas du tout. Peut-être que cette insight. N'a aucun sens. Par où je suis censé passer pour le rejoindre? Alors attendez. C'est beaucoup plus long que ce que je pensais. Toutes les pièces qu'il y a sous le. Château entre la pièce de qui est protégée par le Cerbère, la salle de la carte, la crypte, la salle la chambre des secrets. Il y en a des choses sous ce château, hein. Vraiment il y en a. Hein. Voilà, elle est là la crypte. Et je suis curieux de savoir qu'est-ce que c'est que la quête. La quête, comment ça s'appelle? La dernière quête principale. Je suis assez curieux. Hop là. Bonjour, Sébastien. Je suis content de te voir. Sébastien, bonjour. J'ai reçu ton hibou. Que s'est-il passé? Ominis a parlé avec Anne de ce qu'il s'était passé avec mon oncle Solomon. Elle dit que je dois payer pour ce que j'ai fait. Mais elle ne me dénoncera pas. Elle dit que la culpabilité avec laquelle je dois vivre est une punition suffisante. Je suis désolé. Mais au moins, maintenant, tu peux essayer de passer à autre chose. Le problème, c'est que... j'ai perdu ma sœur, ma jumelle, pour toujours. Elle refuse de me voir. Et je la comprends. La faute à qui, capitaine? Je comprendrais la faute aussi à qui si vous arrêtiez de me parler. Vous avez tous cru en moi, et je vous ai tous laissé tomber. Oh, ton mea culpa... Les deux sont... Anne changera peut-être d'avis, Anne ne te pardonnera peut-être jamais. Enfin, c'est les deux sont...
Faut lui remonter le moral, je veux bien lui dire ça, mais... Pourquoi... C'est quand même un con, hein. Vraiment, c'est un con. J'ai pas envie d'être méchant. Elle a peut-être besoin de temps. Elle finira certainement par te pardonner. J'espère que tu as raison. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière. Mais je peux essayer de me racheter. J'ai une dette envers toi et Ominis. Pour m'avoir soutenu. Ça n'a pas été facile. Mais je crois en toi, Sébastien. Je crois en toi depuis que nous nous sommes rencontrés. En défense contre les forces du mal. Cela me paraît si lointain. Merci. Je ne sais pas ce que le futur me réserve, mais je suis content d'être ton ami. Je suis heureux que tu sois à Poudlard. Ami, ami... Je suis un bâtard. Mais non, mais... Voilà, on se fait saucer la gueule, là, entre tout le monde, là. Merci d'être là, merci, je suis heureux d'être à Poudlard. Notre amitié est ce que j'ai de plus cher. C'est très mignon, c'est très gentil, hein. Très gentil, c'est pas ce que je dis, hein, mais... Et voilà, quoi. J'ai envie de changer de style. Voilà, je le dis haut et fort. J'ai vu ce petit ensemble, là. Celui-ci. Et j'ai envie de le porter, j'avoue. Non. Wow. Déjà, on va faire ça, ouais, ça je veux bien, hop, est-ce que ça ira bien? Est-ce que c'est stylé sans ça? Pas de ouf, hein. Ouais, ça c'est bien, ok. Ce couvre-chef, je vais de suite le changer avec ce chapeau rouge. Non, c'est pas vrai. Bah non, mais je pense qu'on va littéralement revenir à notre... Oh... J'aime beaucoup ce qui se passe, là. Et on peut... Est-ce qu'on peut rajouter une cape? Ça peut tout faire comme ça peut tout ruiner. Hein? Oh, ça c'est plutôt sympa. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça? Avec une cape, peut-être ça ira mieux. Peut-être que ça ira mieux. Donc j'ai plus de... Genre, j'ai hésité pas mal avec celle-ci. Celle-ci, c'est pas mal. Elle fait fat, en fait. Elle fait genre... je suis un peu coincé. Non, certainement pas. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette cape, mais certainement pas. Celle-ci, pourquoi pas, s'il n'était pas si longue. Putain, c'est dommage. Il y en avait une qui me plaisait bien, là. Putain, mais je sais pas si je pourrais la retrouver. Celle-ci, je crois. Ouais, c'était celle-là. Ouh. Là, on revient sur la bonne vieille... Ah, non. Pas des masses. Pas des masses, les flots. Celle-ci? Ah, putain, c'est compliqué, hein. Oh, et pourquoi pas? Après tout. Hein? Ah, celle-ci est mieux, quand même. Celle-ci est mieux. Et peut-être, en vrai, avec un tour de cou, du coup, peut-être ça peut le faire. Un peu fin, comme ça, qu'est-ce que j'ai... Pas mal, ça! Ce petit style. Et c'est toujours très monochrome, ce que je mets sur Lucius, hein. C'est toujours très monochrome. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Carte, mais écoutez, on va se taper littéralement sur la dernière quête, hein, si j'ai bien compris. Alors,
d'accord. Suivant la quête. Voilà. Alors, quelle est la plus proche? Celle-ci, elle est sûrement celle-ci. Sûrement celle-ci, sûrement je chipote. Sûrement je fais chier le monde. Sûrement ce qui est en train de se passer. Ouais, j'hésite sincèrement à me remettre à Dead by Daylight. Je sais pas trop ce que ça peut donner. Hop. À voir. L'envie de me remettre à des trucs un peu compétitifs là en ce moment, c'est bizarre. Hein. Attention à la dalle sous vos pieds. Vous pourriez libérer une odeur épouvantable. Faites attention, je vous en supplie. Marche. Oui, il s'en va pas de. Les fantômes peuvent se procurer de la viande avariée et personne ne dit rien. Mais dès qu'il y a une mauvaise odeur ici, cela provoque un tollé. Le truc se décharne tellement c'est fort. Ok. Oh ! À qui faut que je parle ? Ah oui, mais c'est l'une des... Oui, c'est rien. Je m'en doutais. Ah oui, professeur Weasley, hop là. Ah, vous êtes pas du tout ici ? Oh, j'aime beaucoup cet étage de... Revelio. Je crois qu'il y avait une page Revelio ici. Et quoi du coup? Attendez, j'ai envie d'aller la relire. C'est quoi cette page Revelio? Collection. Revelio. Je me rappelle l'avoir vu. Là, ça, c'est pas ça? Ah, c'est le placard d'épouvantard, d'accord. Est-ce qu'on peut entendre un truc? Particulier. Rien de particulier. Bon, c'est pas ici du coup. A dit en 1421, cette pierre est magnifique. Oh ! Revelio. Coffre ici ? Mes pieds ? Oh ! Quoi ce bruit ? Ah, c'est ça ? Magnifique ça. Alors, ah oui, bah littéralement en fait c'est sa classe. Bonjour, l'œil de lynx de Weasley, qu'est-ce qui se passe? Professeur Dernière Weasley, quête du coup du jeu. Vous vouliez me voir? Oui, nous n'avons pas eu l'occasion de discuter depuis... Je sais que le professeur Fig et vous étiez très proches. L'école ne sera plus la même sans lui. Non, c'est certain. Mais je peux vous assurer qu'il voudrait vous voir avancer et qu'il serait en paix de savoir que l'avenir du monde des sorciers est entre des mains telles que les vôtres. Merci, professeur. Ce fut une année intense pour vous, à Poudlard comme en dehors. J'ai entendu toutes sortes de rumeurs à votre sujet. Vous avez chevauché un grappe-corne, sympathisé avec un gobelin, sauvé des hippogriffes. Et vous avez même aidé Monsieur Ollivander à retrouver la baguette de sa famille. Comment le savez-vous? Il est plus difficile qu'on pourrait le croire de garder des secrets ici. Elle est au courant de tout, en fait. Je suis aussi proche de Miss Sweeting. C'est une bonne chose de l'avoir discuté davantage avec ses camarades. Apparemment, des vivets ont été aperçus dans la région récemment. C'est vrai. Si l'on en croit les centaures, c'est grâce à deux élèves de Poudlard. J'ignore ce dont vous... Le sujet est clos. J'aimerais maintenant que l'on parle de votre guide du sorcier. Ah donc. Pourrais-je le voir? Bien sûr. Il est bien rempli, mon capitaine. Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'en pensez-vous, professeur? Vous avez eu beaucoup à faire cette année.
Il semble que vous ayez presque terminé de remplir votre guide du sorcier. Je vous félicite. Je suis ravie de voir que vous avez si bien travaillé à l'approche de vos buses. Je dois vous avouer que j'ai eu un bon pressentiment lors de votre arrivée tardive à la cérémonie de la répartition. Je suis ravie de constater que je ne me suis pas trompée. Quand j'y pense, cela fait un an seulement que vous êtes avec nous et vous allez déjà passer vos buses. C'est tout bonnement incroyable. Merci pour tout, professeur. Je vous en prie. J'ai hâte de voir ce que vous nous réservez pour la suite. Ok. Quête terminée. J'ai une autre quête. Nouvelle quête disponible. Allez à la grande salle. Quoi ? Quoi ? Ouh, c'est loin. J'ai envie d'y aller à pied. Je crois que ça fait partie des derniers voyages qu'on fait dans Poudlard. Je veux bien y aller à pied. Pour visiter, activer ça, tiens un peu. Oh non ! Sors un cheval de mon crapaud ! Il n'est plus là ! C'est juste son crapaud, enfin ! Voilà. Une explication serait peut-être bienvenue, non ? C'était juste un crapaud dans la salle. Si ça avait été mon crapaud. Chacun son tour, je vous prie. C'était juste son crapaud, professeur. Espèce de rapporteuse, c'est faux. Les vieux sont. Oh, Archibald, vilain petit batracien. C'est ce que je disais. J'ai entendu une page de Rebellion. À l'avenir, nous pourrions peut-être consacrer notre temps à des occupations un peu plus sérieuses. Je ne voudrais pas que vous perdiez des points. J'ai qu'il y a une page de Rebellion ici. C'est un excellent crapaud. Il a du ressort. C'était de mauvaise humeur. Revelio. Béatrice Green, de chez Anne. Une femme très étrange. Là-bas. Ah oui. Quel soulagement de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Je l'avais pas récupéré ? Fontaine du Hall Central, cette fontaine ouvragée est ornée de statues de créatures du monde magique, notamment des sirènes de pierre enchantée qui encerclent. La base de la sculpture. C'est qui encercle la base de la sculpture, tout ça. Oh, oui. Pourquoi la salle commune de Serpentard se trouve-t-elle dans les cachots ? C'est tellement sinistre, mais c'est peut-être voulu. Incroyable. Là, il n'y a plus rien. Incroyable ? On l'avait pas. Je l'ai activé des milliers de fois, mais je ne l'ai jamais prise, cette page de Revelio. Nachi ? Pas du tout. On aurait dit Nachi et je trouve ça fou de croiser certains élèves de l'histoire principale se balader. Hop, c'est pas ici. C'est pas la première fois que je me fais avoir. Revelio. Il n'y a pas eu de ting. Donc je pense qu'on est plutôt bueno. Par... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai qu'on est censé avoir cours, nous. C'est une école là-bas, ce Poudlard. Hein. C'est rempli de choses que j'ai découvert. Alors par exemple, si j'avais pas trouvé le truc d'épouvantard, peut-être qu'on aurait pas eu cette scène-là. Oh. Aïe, j'ai le choix. C'était son père ? C'était son père qui avait dans la... On peut voir le père de Nachi, quoi.
con, j'aurais su, je serais allé récupérer plus de pages de Revelio, mais bon. Cette année, nous avons pu voir nos élèves faire honneur à la bravoure de Godric Gryffondor. Ah, c'est les Gryffondors qui ont gagné ? Ouais. Bien vrai. De Salazar Serpent. Ainsi. Très peu de gens applaudissent, pourquoi ? De la coupe des quatre maisons. Excusez-moi, directeur. Une précision. L'héroïsme d'une personne en particulier lors de l'attaque de Poudlard. Sans oublier sa réussite totale dans chacune des matières, malgré une arrivée tardive d'ailleurs. Je suis pas assis tout, et j'en parle de moi. Je suis vraiment le héros du film. Eh bien, je pense que de tels exploits méritent, disons, 100 points supplémentaires pour sa maison. Qu'en pensez-vous ? C'est un peu un truc de bâtard. Ah, oui. Merci. J'aurais trop kiffé être avec la... La veste de Serre d'Aigle. C'est dommage que je l'ai enlevée. Ah, c'est les crédits, d'accord. Eh ben, dites donc. Eh ben, incroyable. Non, mais le jeu était très cool. Je suis très content de l'avoir fait, je suis très content. Je suis un petit peu trop attardé sur certains trucs secondaires. Pas forcément intéressants. On a fait quelques lives de récupération de coffres au trésor. Et de d'épreuves de Merlin, et ça je trouve que c'était un petit peu répétitif assez vite, mais je suis content. Non, en vrai le jeu était très cool, très très cool. J'avais pas mal de, quand j'ai vu que le jeu allait sortir Hogwarts Legacy, que j'ai vu les premières images et tout, j'avais très très peur que ce soit très fan service, et au final pas tant que ça. Memory of Dave Ross. Et ben pas du tout. Ouais, c'était pas du tout du fan service. C'était vraiment très très cool. Enfin moi du coup j'ai quand même pas mal vu des trucs en rapport avec le film, parce que ben, déjà j'ai. Si j'ai lu les 4 premiers livres, mais j'ai pas lu après. Et j'ai beaucoup kiffé les films, du coup c'est pour ça que j'ai vu. J'ai faisais pas mal de corrélations. Mais en soi, ouais, non, c'est pas tellement fan service, même pas du tout. Une histoire qui n'a absolument rien à voir. Donc, très content. Voilà, très content de ce jeu. C'était vraiment très cool. C'était vraiment super. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait jouer un triple A. Genre, j'ai pas fait les Red Dead. Enfin, j'ai fait un peu GTA V. Je sais même pas si j'ai terminé GTA V. Mais genre, j'ai pas fait Red Dead. Qu'est-ce qu'il y a eu comme autre triple A que j'ai pas du tout fait? Bah, Elden Ring que j'ai pas fait, mais là pour le coup, je pense que je vais le faire. Y a beaucoup, ouais, de gros jeux comme ça auxquels je suis complètement passé à côté. Parce que bah, déjà, c'était plus trop les. Enfin, je me suis un peu remis à jouer avec le stream, donc du coup, je suis passé à côté de pas mal de trucs très cool. Du coup, le stream, ça m'a permis déjà de replonger un peu là-dedans, donc c'était super. Ça m'a manqué, voilà, de faire des jeux vraiment avec une histoire comme ça. Ça m'a même limite donné un peu envie de faire des Assassin's Creed. Donc pourquoi pas, à voir. Je suis pas mal intrigué par le prochain.
Mais ça m'a un peu fait penser à ça, et j'ai vu des gens pas mal cracher à la gueule du jeu en disant ça, que c'était un peu un Assassin's Creed remodélisé, et je pense que j'arrive à voir le pourquoi les gens disent ça. Mais c'était très cool, le monde est très cool, la map est super, elle est pas mal grande. C'est vrai qu'il y a pas mal de collectables, pas forcément fun. Ça pourrait être cool de pouvoir vraiment se diriger vers chacun des collectables. Là, t'es un peu obligé de les chercher, genre en parlant des pages de Revelio. Y a que les épreuves de Merlin et les coffres au trésor qui sont marqués sur ta map. Et les sources de magie qui sont marquées sur la map, mais c'est pas forcément les trucs les plus intéressants. Si, y a les labyrinthes qui sont intéressants, qui sont très cool, et c'est un peu tout. C'est vrai, en termes de collectable, j'étais un peu sur ma faim, mais l'histoire est très cool, le gameplay est très sympa. C'est pas une, j'irais pas jusqu'à dire que c'était une dinguerie, pas du tout, pas vraiment pas du tout, mais c'était quand même sympa. Je suis content de l'avoir fait. Je pense pas revenir faire les coffres au trésor et les épreuves de Merlin. Je pense que je veux bien refaire certains trucs. En vrai, terminer, faire le 100% des défis. Mais ça implique pas du tout de tout récupérer. Donc ça, peut-être que c'est possible. Est-ce que je pense pas en faire d'autres VOD sur YouTube. Je pense qu'on est sur la dernière VOD qui sera du coup beaucoup plus courte. 31 minutes. Mais ouais, je pense que pour ce qui est de la suite, récupérer les... surtout les ballons. Après, ça va durer longtemps, ça, tout ça. Mais au moins les sources de magie, peut-être les ballons, en vrai. Certains trucs qui nous manquent de... des défis, peut-être qu'on le continuera en stream, mais il n'y aura pas forcément de VOD là-dessus. J'ai plenty of ideas pour faire d'autres VOD sur d'autres jeux. J'ai plein de jeux en tête là que j'ai envie de faire. Du coup on va se focus là-dessus. J'en avais déjà parlé. Bah, du coup, je disais Elden Ring, ça peut être très cool. Plein de petits jeux indés. Little to the Left, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, que j'aimerais bien faire. Plein de trucs pour un peu parce que du coup là sur deux jours on a fini deux jeux sur deux jours d'affilée et on a terminé Thief Simulator. Aujourd'hui on termine Hogwarts Legacy, donc on enchaîne un peu les jeux qui se terminent, mais du coup remplacer sur Thief Simulator, j'ai pensé à Gas Station Simulator que je vais prendre assez vite. Je pensais pas qu'on verrait les crédits aujourd'hui quand même. Je savais qu'on terminerait, qu'on avancerait pas mal. Je m'attendais pas non plus je pensais que ce serait que les deux grosses quêtes qui nous restaient en lançant le stream, donc au début de la VOD d'hier, pour ceux qui sont sur la VOD. Au début de ce stream, je pensais qu'on en aurait pour ce stream-là et peut-être on terminerait sur un autre stream. Je pensais que j'en aurais jusqu'à la semaine prochaine. Eh bien non, au final. Après, ça veut pas dire que je vais pas revenir sur le jeu. Peut-être, cette semaine peut-être pas, mais la semaine prochaine, je pense que j'y reviendrai au moins un petit peu. Voir les 2-3 petites choses qu'on a à faire. À voir. Je vais pas couper la VOD maintenant, c'est sûr. Parce que j'ai envie de voir un peu ce que le jeu me dit après. Et il y a des petites choses que j'avais dit du coup au début du stream. J'aimerais bien récupérer comme les sources de magie. Je pense qu'on va faire ça juste après. Et je pense que si on n'a pas terminé aujourd'hui, on y reviendra peut-être de temps en temps en stream. Mais encore une fois, pas de VOD. Pas de VOD, c'est sûr. Ça, c'est sûr, je me sens pas de poster ce genre de VOD. Je pense pas que ce soit très intéressant. Donc on essaiera de récupérer les trucs qui m'intéressent sur le jeu. Mais pas forcément de VOD.
C'est ça que je pense qu'il manquait aussi pas mal sur ce jeu, c'est vraiment un intérêt à aller récupérer les collectables, parce qu'il y en a beaucoup. Mais en soi, quel est l'intérêt que tu as à récupérer les collectables? Pas tant que ça. Les bonus, là, les traits, on les utilisait pas des masses, c'était un peu... Enfin, c'était pas très intuitif. Même certaines récompenses en soi, genre même les balais, par exemple. Les balais à récupérer, ben, ils ont aucune particularité à part de l'esthétique, donc il y en a qui sont vraiment stylés. Et même, c'est même pas particulièrement mis en avant. J'ai beaucoup comparé ça à Spider-Man sur PS4, là. Ou Spider-Man Miles Morales, où t'avais vraiment envie d'aller récupérer les collectables, parce que bah, déjà, tu récupérais des costumes, et c'est assez central au jeu, les costumes. Là où dans ce jeu, bah, justement, t'as beaucoup de trucs vestimentaires, mais bon, en soi... c'est pas du tout le truc principal. Ce qui aurait été bien, ça aurait été d'avoir des baguettes. De récupérer des baguettes, des manches de baguettes, même des sorts, en vrai, en fait, un petit peu plus de sorts. Ça aurait été, je pense que ça aurait grave été intéressant d'avoir ça comme récompense quand tu finissais un défi. Parce que là, bon, les récompenses que t'avais, c'était des traits. Pas forcément intéressant, c'était des vêtements. T'en récupères à l'appel, des vêtements à l'appel, tu sais plus quoi en faire. C'est dommage, ouais. L'intérêt qu'il y a derrière le fait de récupérer les défis est pas grand et pas immense. Du coup, tu fais un peu ça pour la complétion, c'est dommage. Là, ouais, ou encore sur Spider-Man, par exemple, t'avais vraiment envie d'aller récupérer tous ces collectables parce que bah, tu récupérais des trucs vraiment intéressants, quoi. Des trucs qui pouvaient te permettre d'avancer dans la quête principale, tu vois. Des nouvelles compétences, des nouveaux objets, des nouveaux... Enfin, sorts, j'allais dire. Mais non, mais des nouveaux trucs que tu peux faire dans le jeu. Là, une fois que t'as tous les sorts, bah, t'es un peu en mode, bon, bah, j'ai tous les sorts. Et bah, c'est tout. Et du coup, tu utilises tout le temps un peu les quatre mêmes. Enfin, genre, il y a beaucoup de sorts que j'ai pas du tout utilisés. D'ailleurs, est-ce que j'ai Avada Kedavra? Je me demande si j'ai Avada Kedavra. Je suis en train de réfléchir, hein. C'est justement ce que j'étais en train de réfléchir quand on se battait contre Rockwood, où il m'a balancé un Avada Kedavra. Et j'étais là en mode, putain, c'est vrai ça, je crois pas que j'ai Avada Kedavra. Bref, du coup, j'ai trouvé ça très cool, le jeu est très sympa, je suis très content de ce qui a été mis en place avec ce jeu. Je pense qu'il y aura potentiellement, pas une suite, mais un autre jeu dans cet univers. Ça pourrait être cool, ça pourrait être vraiment sympa. Mais c'est vrai que tu collectes beaucoup de trucs. Les collectables sont pas vraiment utiles, quoi, en fait. L'histoire principale est sympa, les histoires annexes sont sympathiques, et l'univers dans lequel tu évolues est vraiment cool, genre la map est vraiment sympa, et c'est ça qui fait le jeu, je trouve. Les quêtes annexes, les quêtes principales et la map dans laquelle t'es, tout le reste est vraiment pas fou. Est vraiment pas fou. Genre, si tu te focuses à faire que ça, sans jamais récupérer les trucs de Merlin, essayer d'éclater les ballons pour récupérer des nouveaux balais, faire les épreuves pour améliorer ton balai, justement, aussi, on avait des améliorations. J'ai pas senti grand-chose au niveau des améliorations, tu vois. Genre, mon balai, il s'est fait améliorer à 3 reprises, et l'avant, l'après... Bah, il va peut-être un peu plus vite, mais les gens s'en rendent pas forcément compte tellement la map est grande. Et puis, la map est tellement grande, en fait, que le balai, tu l'utilises pour des trajets pas forcément très longs, vu que tu te TP pour la majorité des trucs. Puis c'est pas non plus le mode de locomotion le plus fun du monde. C'est très sympathique. Genre, les premiers vols de balai que j'ai fait, j'étais sur le cul. Mais bon, une fois que voilà, t'as fait les premiers vols... Encore une fois, après la première heure et demie de jeu, bon, tu sais ce que c'est que le vol de balai, quoi. Et même si la map est cool et que c'est cool de s'y balader, genre, typiquement pour aller récupérer les flammes de cheminette, ça peut être sympathique. Moi, je l'ai peut-être fait un peu trop tardivement dans l'histoire. Mais voilà, ouais. En fait, si tu fais l'histoire principale, les quêtes annexes, franchement, tu loupes pas grand-chose. Tu loupes
Pas... Ouais, rien de particulier. Et ouais, et voilà, c'est dommage. Les sorts aussi, genre... Je pense qu'il y aurait eu d'autres moyens de les utiliser. D'autres mécaniques à intégrer avec les sorts. Même peut-être plus de sorts. Ouais, je sais pas. C'est dommage d'avoir... Une fois que tu t'es fait tes 4 sets de sorts, bah tu n'utilises rien d'autre en fait. Genre moi, Incendio, je les tège. Il aurait peut-être été... Ça aurait été bien de le rendre pratique à certains moments, mais en fait... Que tu utilises Incendio, que tu utilises... Confringo, bah du coup, il y a... C'est le même résultat pour ce qui est des blocs et des trucs à brûler. Donc Incendio, bah tu l'utilises jamais. Enfin voilà, il y avait plein de petits trucs où j'étais en mode... Bah c'est dommage, parce que ça sert à rien. Il y a beaucoup de trucs où c'est comme ça dans le jeu. C'est très cool, j'ai encore une fois, univers trop bien, histoire sympa, Katanex sympathique, des personnages un peu cool. Mais c'est tout quoi. Ah ! Qu'est-ce que j'ai fait tomber ? Oh, mon disque dur, tout va bien, c'est pas grave, il n'est pas branché. Mais voilà. Mais j'ai grave kiffé, j'ai trouvé ça très cool. Il mérite la hype qu'il a reçue, je trouve qu'il mérite, ouais. Voilà. Très sympathique. Très sympathique. C'était très sympathique. Voilà. Il y a peut-être des trucs que j'ai loupés aussi, peut-être, en termes de... Là, je pense que typiquement, à la fin de des trucs que j'ai loupés du fait que j'ai pas tout complété encore, mais genre typiquement, à la fin... Là, on a une petite cinématique avec certains personnages qui étaient face à certains objets, genre on a vu les personnes qui faisaient des élèves qui prenaient un cours de pas de botanique mais de créatures magiques, et tu voyais sur la table certains trucs qu'on avait croisés dans les Highlands, des trucs qui avaient nécessité de faire un Revelio pour avoir leur page de Revelio, tu vois, genre la petite fiole là avec les genres de tentacules violettes à l'intérieur, c'est parce qu'on a fait un Revelio sur ce petit truc qu'on avait trouvé sur la map. Et Oula, c'est très fort d'un coup là-haut. Hop. Calme-toi. C'était des trucs qu'on avait trouvé avec des Revelio. Donc je pense que vu qu'il me manque pas mal de pages Revelio. On a loupé peut-être certains trucs. Ça aussi, c'est dommage, ça, tu vois, les Revelio. Est-ce que. Ça apportait pas grand chose de plus, t'avais un petit peu de lore, c'est cool, mais en soi dans le jeu, ça n'apportait rien de plus quoi. Ça expliquait certains trucs, c'était très sympa, je me rappelle de la petite maison de craquemolle là qu'on avait trouvé, j'étais en mode ah c'est cool, ça c'est sympathique d'avoir un peu de lore, bien sûr, mais je sais pas, ça aurait peut-être pu amener à autre chose, peut-être une fois que t'avais récupéré une certaine page de Revelio, ça lançait une petite cinématique, un petit truc, tu vois, genre... un truc qui te donne envie d'aller récupérer... tu vois, par exemple, ça me faisait un peu penser aux souvenirs dans Breath of the Wild. Je sais pas si ça y est encore sur... Ça y est aussi sur Tears of the Kingdom. Il y avait, genre, les souvenirs, tu vois, c'était des petits endroits sur la map qui te donnaient du lore, mais t'avais... une petite cinématique dessus, tu vois. Donc je pense, ouais, qu'ils ont vachement essayé de faire un truc un peu à l'Assassin's Creed en mettant en mode plein de collectables, plein de trucs pour que les gens restent sur le jeu, sauf qu'ils ont pas trop pensé à derrière, en mode, ok, s'ils font ça, ils font ça en mode pour rester plus sur le jeu, mais quelle sera leur récompense? Ben, en soi, pas des masses. Genre, il y avait, je l'ai souvent dit sur les streams, enfin, bon, j'ai mis deux VOD, de nous qui chassions de quand on cherchait les coffres au trésor et les trucs de Merlin. J'ai mis que 2 VOD là-dessus et après tout le reste je l'ai fait en stream sans VOD, et je l'ai souvent dit, enfin genre on récupérait on allait chercher des coffres au trésor, on affrontait des énigmes, on résolvait des énigmes. Et à la fin, bah, j'avais juste une pièce de vêtement verte que je n'utiliserai jamais et qui
rempli mon espace d'équipement et voilà, et c'est pas très intéressant, tu vois. Donc il n'y a pas eu trop de réflexion là-dessus, je pense, dans ce jeu. Et c'est dommage. C'est dommage. C'est In Memory of pas mal de gens. C'est deux fois qu'on voit In Memory of. Il y a eu beaucoup de gens, hein. C'est pour ça que genre c'est pas le genre de truc qui m'a saoulé. J'ai pas trouvé que ça m'a pas pourri mon expérience. Enfin genre je suis très content d'avoir joué à ce jeu et tout. Mais c'est vrai que j'aurais pu passer un meilleur moment s'il y avait vraiment un intérêt à récupérer les collectables. Vraiment un intérêt à visiter les endroits. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire tout ça, tu vois. Si vraiment tu te franchement, si vraiment tu te focuses uniquement et exclusivement sur la quête principale et la quête annexe. Et les quêtes annexes. Franchement, je crois que en termes d'expérience de jeu, t'as pas loupé grand chose par rapport à moi qui essaie de quand même beaucoup plus compléter de choses, tu vois. T'as pas loupé grand chose. Vraiment, enfin, t'as rien loupé en vrai. En vrai, je pense que t'as littéralement rien loupé en fait. Et genre, et en soi, ça aurait été un jeu avec juste des quêtes annexes et des quêtes principales. Ben, ça aurait pas été un souci. Le problème, c'est que là, ils ont voulu vraiment charger de collectables avec plein de trucs différents. Et c'est très cool, sauf que bah, ça n'apporte rien en vrai. Tu loupes rien à pas les faire en fait. Voilà, enfin tu peux les faire un peu pour récupérer certains défis. Par exemple, bah, typiquement les épreuves de Merlin, tu peux si tu veux en récupérer les 20. En récupérer 20 pour avoir tous les défis. Et encore les défis, c'est juste des cosmétiques de vêtements. Et bon, bah, en vrai on s'en fout. Enfin, j'ai changé 1000 fois de vêtements... Et parce que moi c'est un truc qui m'intéresse, mais en soi, bah, les vêtements on s'en foutait un peu, j'avoue, on en a rien à foutre. Ce qui changeait un peu les choses c'était les traits, mais vu que c'était pas très intuitif, bah, on s'en occupait, enfin moi personnellement je m'en occupais pas trop. Du coup tu peux, si tu veux, récupérer les 20 premières, je crois que c'est les 20 premières épreuves de Merlin, mais après t'as aucun intérêt à les récupérer quoi. Y a pas d'intérêt à récupérer plus d'épreuves de Merlin, à faire le tour de la map pour essayer d'aller récupérer. À part l'envie de complétion que j'ai un peu, du coup c'est pour ça que j'ai fait ça. Mais c'est tout quoi. Franchement c'est tout. Y a pas plus d'importance que ça. Vraiment. Quête annexe et quête principale, tu fais que ça, t'as rien loupé. Franchement t'as rien loupé. Si les seuls trucs qui peuvent être intéressants... Et c'est parce qu'il y a des combats, mais même les combats, en fait, les combats sont extrêmement répétitifs, c'est dommage. En fait, les combats, les premiers combats que j'ai fait, c'était très stylé parce que c'est très impressionnant. Les sorts sont très impressionnants. En fait, l'effet, il te le fait une fois. C'est pour ça que je trouve que ça panquait pas mal de sorts, ou même de mouvements de combat, ou même de... Voilà. Il manquait des trucs dans le jeu. Mais encore une fois, la map était trop cool, j'étais trop saucé de la visiter, j'étais trop content de voir Poudlard en chair et en os et de pouvoir m'y balader, de voir au loin Préolard et de pouvoir aller dedans et pouvoir me balader dans les maisons, dans Préolard, visiter les pleins de recoins de l'endroit qu'on connaît pas du tout, qu'on n'a jamais vu et qu'on connaît pas du tout quoi. J'étais très content d'aller les visiter, Campolar en bas, Campolar en haut, voir les rides de des trains, voir le... Tu vois, c'est des trucs un peu quand t'es un peu fan de la licence, des films Harry Potter et des livres aussi, mais c'est juste que j'ai jamais pris le temps de les lire. Puis j'ai un peu de mal à lire les livres d'une TERF transphobe. Donc, pas fan, mais les films qui ont un peu été une réappropriation d'autres personnes, je suis très fan. Donc, ouais, quand t'es un peu fan de l'univers, bah, tu passes un bon moment à visiter la map. T'as ça en plus, quoi. Et si t'es pas particulièrement fan de l'univers, bah en vrai, tu fais les quêtes annexes, les quêtes principales. T'as un truc un peu sympa, une histoire un peu sympa. Pas un truc de fou, mais un truc un peu sympa. Et c'est tout. Un peu tout. Donc voilà. C'est un peu dommage sur pas mal de points, mais... Mais j'ai bien aimé quand même. J'étais très content de d'y jouer tout et tout, c'était très cool.
Je suis fier de l'avoir fait. Très fier de l'avoir fait. Donc pas de regret ou quoi que ce soit, c'est pas du tout. C'est pas un jeu, je pense, que tu peux regretter d'avoir acheté si tu l'as fait, quoi. Si tu l'as fait, tu peux pas regretter d'avoir acheté. Tu peux être grave sur ta faim. Parce que je suis un peu, hein, parce que même en soi l'histoire, bah voilà, c'est pas une histoire de Doogie Dingo, quoi. C'est un peu sympa, même la grande méchante, là, celle qui a inventé qui a pas inventé, mais qui a fait en sorte que de supprimer tes émotions là avec la magie. On l'a jamais vu en vrai, on l'a vu dans les souvenirs. On aurait pu, je sais pas, voir un message qu'elle nous aurait laissé dans un tableau, j'en sais rien, tu vois. C'est dommage. Files, ah, il donne les files. Il y en a des choses, hein. C'est des crédits extrêmement longs. Hein. Franchement, je sais pas depuis combien de temps je parle. J'aime bien prendre le temps de regarder d'afficher un peu les noms des gens qui ont bossé un peu dans l'ombre. Ça m'arrive de regarder les crédits des films parce que je me dis, vas-y, rien que lire leur nom, tu vois. Je trouve ça cool quand c'est des gens qui ont un peu bossé dans l'ombre, quand c'est pas les têtes d'affiche, les acteurs, les réals. J'aime bien un peu mettre en avant le truc, tu vois. Mais là, c'est vrai que c'est long, là. La musique s'est coupée. S'il y en a une autre qui commence, je veux bien passer. On va voir. Parce que là, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe, non, mais il y a un... Il y a quelqu'un qui écoute de la musique à fond. Ah, mais c'est peut-être... Je sais qu'il y a des concerts pas loin de chez moi. Il y a un festival pas loin de chez moi. C'est peut-être ça. Je suis pas mal étonné qu'on l'entende ici. Bon, mais je vais passer parce que là, ça, j'avoue, c'est long, en fait. Et là, je sais pas trop ce que c'est que tout ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ces applications, tout ça, c'est incroyable. Termination. Ah, attendez, c'est peut-être la fin. Ah non. Esclame of Warranty, c'est souvent le dernier truc, ça. Ah bah non. Oh mon dieu, mais toutes ces... Il y a les conditions d'utilisation... à la fin, quoi. C'est tellement long. New version, effect of new version, modified version. Et ils se sont protégés de fou, je pense, contre les mods et tout, sauf que le jeu a eu tellement de mods. C'est con, ils auraient pu laisser les gens faire des mods dessus, et il y aurait eu un taux de contenu... fou, parce que c'est sûr que pour le coup c'est une licence où vu comment le jeu est, j'imagine tout à fait que des gens ah mais ouais, mais regardez, il y a Goblin One, New Rocker, ouais, il y a les précise l'intégralité des, ah ça y est, je crois que c'est la fin des objets 3D, j'ai oublié les termes. Oh, il y a beaucoup de monde là. Droit au but, remporter la coupe des... J'ai pas vu. Des 4 maisons, sûrement. La coupe des 4 maisons. Ah. Ma chambre, ça aussi. Aucun intérêt, ma chambre. Lire le courrier. Pas important, hein. Vraiment pas. Vraiment pas intéressant, hein. Bah, par contre, du coup, j'ai baissé le son. Ok. Eh ben, incroyable. Qu'est-ce qu'il me dit ? C'est vrai qu'il nous manque pas mal de pages de Revelio. Hein. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup quand je vais dans quête, juste pour savoir ? Littéralement rien, d'accord, ok. Ok. Bon. Ben, en réalité, j'ai dit, justement. Ah, c'est ici. J'allais pas couper de suite, mais je pense qu'en fait ça a été tellement long, je pense que je vais couper de suite. Hein.
Je pense que je vais couper de suite, hein. Il y a en bas. À quoi on a... Qu'est-ce que... Je crois que j'y suis déjà allé, mais j'ai un peu oublié, j'avoue. Oh, non mais c'est une blague. Allô, Mora. Sérieusement? Eh ben dites donc. Ah bah ouais, du coup ouais, super un manteau lourd. La chambre de quelqu'un. Revelio. Ah. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un coffre juste ici. Peut-être. Oh, des toilettes. Je suis un peu trop saucé pour des toilettes, j'avoue. Il y a des baignoires! Mais c'est incroyable! Bah, je suis saucé. Ils ont pas de douche, ils ont que des baignoires. Oh, regardez. Petit symbole ici. Et comment on fait pour aller. Attendez. Mais oui, mais c'est... en fait, de l'autre côté, je crois que c'est le. C'est le. Revelio. Comment on appelle ça? C'est le truc des filles? Non, c'est pas ça. Là, si je monte, on est d'accord que c'est juste le dortoir des filles en face. Hein? Genre, il n'y a pas moyen, par exemple, par ici. C'est ça, non? Vous êtes en train de me dire qu'il y a moyen que... C'est ça? Oh, il y a quoi? On prend pas tout. Comment on est censé faire pour y accéder? Oh. Allô, bah, alors là, on en trouve des coffres. Yo, coucou. Coucou, Metason. Comment ça va? Ah. Comment ça va? Et on récupère des petites choses, hein. Même si je suppose que... c'est... Bah voilà, c'est ça. Bon, eh ben d'accord. Eh ben écoutez, on a terminé Hogwarts Legacy. Incroyable. Est-ce que du coup j'ai Avada Kedavra? Ah, j'ai pas Avada Kedavra. Comment je le découvre, Avada Kedavra? Comment je fais? Je veux bien voir Avada Kedavra. Est-ce qu'il y a moyen de l'avoir? Attendez, je vais checker tranquillou et toi. Ben ça va, ça va. Un petit peu chaud. Et j'ai terminé Hogwarts Legacy, donc je suis un peu ému, quoi. Enfin, on y restait pas mal longtemps. Avada Kedavra, Hogwarts Legacy. Comment débloquer Avada Kedavra? Comment on fait? C'est tout. Okay. Il s'agit d'une quête de relation. Lorsque vous arrivez à la fin... Ah! Putain, d'accord! Je me suis... Ouais, il fait chaud sa mère, ah, c'est un truc de ouf. Mais j'ai pris un petit truc pour... Pour de la vapeur partout. Mais ouais, il fait pas mal chaud, là. Je crois que j'ai 31 dans mon appart, là. C'est chaud de fou, hein. C'est chaud de fou. Je pense que je vais aller me chercher... J'ai vu il y a pas longtemps à Lidl qu'il y avait un rafraîchisseur d'air. Je pense que je vais aller le chercher. Là, c'est chaud de fou. Bref. Ah oui, en effet, quand on parle à... Ah, c'est dommage, ça. J'aurais bien aimé le savoir. Quand on parle à Sébastien, quand il parle d'Avada Kedavra et qu'il faut... il aurait fallu que je dise tout le monde devrait connaître ce sort. Sauf que moi, j'ai dit, bah non, en vrai, tout le monde devrait pas le connaître parce que c'est la vérité. Et c'est en répondant à ça qu'on apprend Avada Kedavra. Mais là, du coup, je ne peux pas avoir Avada Kedavra. C'est mort, en fait. C'est dommage, ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça vibre? C'est en bas?
Mais sérieux, je l'ai pas récupéré non plus. Comment toi, Soleil? Mais c'est bizarre. Putain, mais... Heurtoir de Serre d'Aigle. Pour pouvoir accéder à la salle commune de Serre d'Aigle, il faut faire preuve de logique afin de résoudre une énigme quelque peu ésotérique posée par le heurtoir en forme d'aigle. Putain, mais des trucs assez évidents, je les ai pas récupérés, quoi. N'importe quoi. Bonjour. Clara a bien changé depuis que Black en a pris la tête. Heureusement qu'il nous reste le professeur Weasley. Aïe, 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 bon. Écoutez, ouais. Je vais couper, là. Merci d'avoir regardé, bah, du coup, ce... Un let's play, quoi. Toutes ces VOD à la suite. Des bisous, YouTube. Et à très vite, dans tous les cas. Des bisous.